je suis Louis-Albert de Broglie, je dirige le comité scientifique de Ferme d'Avenir et en même temps je suis président de Dérol et de Dérol pour l'Avenir. Le thème de cette année, c'est la rupture, mais en même temps, le thème de panel que j'ai modéré, c'était la révolution semencière peut-elle finalement changer l'agriculture et faire de l'agriculture une agriculture soutenable. Soutenable et évidemment une agriculture dédiée à l'ensemble des grands sujets qui sont effectivement l'indépendance alimentaire, l'indépendance évidemment alimentaire des territoires, la sécurité alimentaire, mais en même temps la sécurité des sols, de la qualité des sols, de l'eau, des écosystèmes en général, de la biodiversité, c'est-à-dire arrêter cette érosion fatale de la biodiversité et faire en sorte en même temps qu'on arrête de payer la dette des coûts induits par tout cela, qui sont les maladies environnementales d'une part, qui sont évidemment toutes les problématiques de gâchis alimentaire, qui sont aussi les problématiques de destruction et de la dette écologique qu'on va avoir. Donc la rupture, c'est comment faire en sorte que tous ces systèmes qui ont été mis en place finalement depuis 50 ou 60 ans à travers de politiques agricoles, industrielles, financières, deviennent vraiment au service du citoyen des politiques en créant, qui prennent en considération l'extraordinaire capacité qu'a la nature à nous apporter des solutions. Et donc le sujet, il est là, ce sont les solutions que nous donne la nature. Alors c'est effectivement l'agroécologie inspirée par la permaculture, c'est tous ces systèmes d'agriculture émergents qui mettent la semence et le patrimoine des semences au service du citoyen parce qu'il y a un génie génétique qu'il a depuis l'éternité. Donc on est là, on est vraiment dans ce domaine de pensée et la rupture, c'est de changer de 50, 60 ans d'une vision entre guillemets financière d'hégémonie agro-industrielle en une solution alternative qui va peut-être pas faire l'un contre l'autre mais faire l'un avec l'autre. Alors un arbre, c'est l'arbre de la connaissance, c'est l'arbre de la vie, c'est effectivement celui qui va puiser les minéraux et en même temps dans le sol et en même temps avec cette photosynthèse relier l'air et le soleil par la photosynthèse au sol, faire de l'évaporation, créer du bien-être, de l'humidité et surtout de donner de l'oxygène. Donc c'est pas simplement la vie, c'est aussi le patrimoine, c'est l'ombre, c'est le bonheur et c'est celui finalement qu'on a planté et qui mesure notre âge.